En 2020, un virus bouleverse la vie de chacun. La COVID-19. Partout sur la planète, tout est arrêté. Ce virus change la vie de tout le monde en nous forçant de se confiner chez nous. Cette pandémie mondiale laisse les pays annoncer des états d'urgence, les frontières ferment, l'économie se frappe par ce virus. Les gens paniquent, le virus nous a bouleversés. Ce virus nous a fait réaliser les petites choses que nous avons prises pour acquises au fil des années. Et voici comment ce virus a changé nos vies. J'ai récemment commencé un projet où j'écris dans un carnet des faits intéressants sur des mangas ou même des recommandations selon les différents genres. J'essaye aussi de décortiquer c'est quoi le manga. C'est un univers qui me passionne beaucoup, puis quand je me retrouve dedans, je me sens en sécurité, puis j'ai un certain réconfort, donc ça m'aide beaucoup en cette période-là où qu'il y a beaucoup de stress qui ressort. Par contre, il nous reste beaucoup de projets à finir. Parfois, on est jugés ensemble et laissez-nous vous dire que notre atmosphère est vraiment calme, puis on est capable de bien étudier. Non, genre, je comprends rien. Je comprends comment faire. Je comprends pas. Il y a même pas de résumé de ce truc. Même si je comprends absolument rien, c'est quoi le but? Eux sont en train de faire leur traitement. Puis moi, je suis en train de faire mon lookbook. On a même profité de ce temps pour aider nos frères et sœurs à finir leur propre étude. On passait du temps avec notre famille, en faisant les courses par exemple. On soutient, on remercie toutes les personnes qui travaillent pendant cette période difficile. On sait que c'est pas évident, puis vous avez une place très importante dans notre cœur. Merci. Ça, c'est l'arrière de notre magasin. Il n'y a absolument personne. Et là, quand on va sur le plancher, attention, attention. On est tout trop. Ça, c'est les travailleurs essentiels ici en Vaux-Saint-Jean. Regardez à quel point c'est occupé. Ça, c'est un samedi après-midi. On porte les masques, on est en sécurité. Et voilà, merci à tout le monde qui travaille dans ces moments difficiles. Malgré ces temps difficiles, on n'oublie pas les occasions spéciales comme la fête de ma mère amie, Mia, bonne fête, et de son frère, Luca, bonne fête. Happy birthday to you.
malgré cette situation difficile, on peut quand même passer du temps avec notre famille et nos amis, comme on fait en ce moment, virtuellement. Wouhou! J'ai effacé mon travail. Maria me dit pas de quoi. Oh, on est cute. Quand même. Hola. Viens ici, chérie. Hi guys. Hi. Guys, avec tout ce confinement et tous les problèmes qu'on a eu techniques, comment vous trouvez faire un court-métrage, un blog ou whatever sur Internet à distance? Honnêtement, c'est quelque chose de vraiment nouveau là. Au début, c'était difficile. Puis tout, surtout qu'on était loin l'un de l'autre. Mais je trouve qu'on a quand même réussi. Pour un premier vlog en confinement, je trouve qu'on a bien réussi notre projet malgré beaucoup de difficultés qu'on a rencontrées. Je trouve qu'on est même resté en contact malgré la distance et tout le confinement. Yeah, je suis vraiment fière de nous. C'est vrai. Mia, ouais. Qu'est-ce que tu as à dire? Comment tu as vécu ça? C'était quand même difficile, mais je trouve qu'on s'est bien amusé. Mira? On a pu faire quelque chose de cool, puis je suis vraiment fière de ce qu'on a fait. Ouais. Et toi, Charles, qu'est-ce que t'en penses? Un peu comme Elisa a dit, ce que j'ai trouvé le fun, c'est que même avec le confinement, qu'on est tous ailleurs, on a quand même réussi à rester soudés en tant qu'équipe, puis à avoir du fun par des rencontres Zoom, puis tout ça. C'est vrai. Ouais. Non, c'est ça. Ouais. Quand Zoom nous a sauvé la vie, honnêtement. Ouais. Merci à Zoom. Merci. Oh, merci, guys. Bisous. Bon été. Bon été. Merci. Bon été. C'est non, t'es dans le chat, là. Commencer un projet où j'écris dans un carnet les différents. Ouais. Comment tu te sens en confinement? Est-ce que t'aimes ça? Hein, Max? Est-ce que t'aimes ça?